masse tout le monde. Bon, encore un bon petit squat dans Obélix. C'est encore la teuf et c'est ça qui est bon. À mon bire. Oui, ça. Ah, attends, je l'ai su. Ouais, ouais. Faut suivre. Voilà, il y a du squat, il y a de la vie, il y a de l'amour et c'est ça qui est bon. Il y a du son, il y a de la bouffe. Il y a, bah, boire un petit peu hein, quand même. T'es belle comme ça. Oh, là. Oui, cool. Voilà, il y a du monde et ça te fait plaisir. Il y a de l'ambiance. Bon, ça fait des frais, mais tant pis. C'est chaleureux. Ça fait un peu, ouais. Ça fait des frais, mais tant pis. Les petits gamins, aussi gamins. Et tu l'as enlevé. Bon, pour tous ceux qui nous demandent si on est sous la neige, je peux vous montrer que ce matin, du 10 janvier, on est plutôt là, c'est gris un peu, on a eu un petit peu de pluie cette nuit, mais sinon c'est plein soleil, on est en t-shirt, ça va bien. Donc pas de neige, rien. Tout est Tyson. Impeccable. C'est Alex. Mais je pense Tyson, beaucoup d'échelle, donc à mon avis, je pense qu'il y a de la neige partout. Oh. Ça roule. Mais c'est pas grave, il a le droit d'appeler Tyson. Ah, j'ai le droit d'appeler mon chien, non. Voilà, donc pas de neige pour nous, tout va bien. Bon, nous voilà encore dans des beaux paysages espagnols. On a bougé, on s'est fait virer par la Guarda de manière un peu plus forte que d'habitude. En fait, j'ai pété un peu un câble, j'en avais marre d'être... Attends, tiens mon chargeur, pardon. J'en avais marre d'être viré tout le temps, on s'est fait virer hier. Non, c'est bon. On nous a dit de descendre juste sur le parking qui était à 20 mètres plus bas. Attendez, je regarde où je vais. Tout droit. Du coup, je sais pas ce qui m'a pris ce matin, je me suis un peu énervé. Et ça a fini que je me suis retrouvé avec les menottes dans le... Je me suis retrouvé avec les menottes... Ah, bordel. Dans la voiture de la Guarda. Alors que j'ai pas été violent, rien, je me suis juste un peu énervé en leur disant qu'elle avait ras-le-bol de se faire virer ce partout. Ouais, en plus, les mecs, il y avait un... C'est pas grave, mais c'est bon. Quoi, oh là là, mais ils voient pas là. C'est bon, elle va pas paniquer maintenant à chaque fois. Bah oui, bah on sait jamais. Si donc je disais, ouais, attends. Ouais, ça fait toujours. Du coup, je disais quoi, je sais plus. Oui, le mec, il y avait sur les deux gars, il y en avait un gros costaud là, il s'est collé à Léa comme ça, là, limite poitrine contre poitrine, là, genre à faire le kéké là. Alors qu'on disait rien du tout, honnêtement, on disait rien du tout. Et du coup, bah, ça m'a fait péter un câble, quoi. Et je leur ai dit, je ne sais plus, enfin, bon, bref, quoi. J'ai pas été... J'ai juste dit, il y en a marre de se faire virer. J'ai gueulé, j'ai dit, il y en a marre de se faire virer, machin, truc chouette. Et puis le mec, il a commencé à venir vers moi, me tenir par le bras et tout. Du coup, ça m'a énervé et je me suis énervé encore un peu plus. Puis après, j'ai couru vers leur voiture. Je me suis assis dans la voiture... J'ai dit bon bah allez-y, on met mon garde avant. Puis alors il est arrivé, le gars il m'a mis les menottes. Ouais, genre je suis un brigand. Oh tu as gangster. Donc voilà, il est content, les enfants chialaient, tout ça, super. Voilà. Donc bah du coup on décale et puis là on va à 30 bornes sur un spot que nous a donné Jérém. C'est en fait quand on s'est séparés après Noël, eux ils ont fait ce spot là. Donc on va aller. Voilà, ça nous évite de chercher un spot. Et puis on va aller se poser là-bas. Tiens, là il y a un petit spot ici là. Allez, je vous montre un petit peu le paysage avec le coucher de soleil. Ah bah d'accord, mon écran il est tout dégueulasse. Oh là là. Bon bah super, bon, je ferai peut-être des coupures. Voilà ce que ça peut donner avec le petit coucher de soleil, comme je roule rarement le soir. Ça vous donne d'autres images. Ça peut être sympa. Joli. Avec le ciel rosé comme ça. Allez, je me reste attentif à la conduite. Et on vous tient au courant, je dois sortir une vidéo, je suis très en retard. Mais bon, je vais faire au mieux. Allez, bisous, bisous. Bye bye. Bon, petit réveil dans Obélix ce matin. Donc, nous ne sommes pas allés directement à Las Negras, Cabo de Gata. Parce que, bon, on avait pris un peu de retard dans la journée.
Et puis qu'au final, on est arrivé là. C'est le spot que nous avait donné Jérémy. Pour une nuit ou deux, c'est très bien. Bon, là, de toute façon, on va repartir aujourd'hui. Après, c'est pas les spots qu'on préfère, nous, hein, les grands spots comme ça, immenses. Mais sinon, ça dépanne bien pour passer la nuit, en tout cas. Nickel. Allez, on va prendre le café avec les potos. Il y a les toutous qui s'amusent. Allez, c'est parti, au café. Bisous, bisous. Bon, ce matin, deuxième réparation sur le camion du casse-couille. Qui est là? C'est moi le casse-couille, c'est moi. Bisous tout le monde. Non, allez, un truc pas trop grave. Mais d'ailleurs, si vous avez vu les anciennes vidéos, on l'avait fait sur le camion de Gilou. L'électrovan d'arrivée de pompe du gasoil. Quand on coupe la clé, ça coupe le jus. Et ça, on va vous faire une petite démo si on a le courage. Petite démo qu'on vient de faire, tester l'électrovan. Donc en fait, c'est cette petite chose. Là, voilà. Cette petite chose qui est branchée, qui est vissée. Donc de cette façon-là, sur la pompe qui est derrière. Là-bas, il y a un trou, vous ne voyez pas. Et en fait, ça, c'est la masse. Donc c'est le moins, le petit pas de vis qui est là. Donc, qui est en contact avec la masse de la pompe, le bloc de la pompe, qui lui est relié sur la masse. Et là, vous avez le plus en haut. C'est un peu comme une bougie de préchauffage, on va dire. Voilà, là, il y a le plus qui est ici, là-haut. Donc, quand on met le contact, eh ben, ça alimente cette chose-là, qui fait coller le petit truc noir qu'on a ici. Tiens, regarde, filme un peu ma poupe. En fait, vous avez cette chose-là qui rentre là-dedans dans un bobinage du coup. Et quand on met là on voit ou pas le téton? Ouais, on le voit. Ouais. Ouais. Quand on met le contact, tac, ça emmène le téton comme ça, collé comme ça, et du coup ça laisse passer le gasoil, et comme ça le moteur peut s'allumer. Dès qu'on coupe la clé, ça coupe le jus, et clac, ça remonte, et ça coupe l'arrivée de gasoil, et donc ça coupe le moteur, ça fait caler le moteur. Donc là, on l'a testé, ça fonctionne, donc on sait pas trop du coup pourquoi ça marchait pas. Et bon, c'était peut-être tout simplement grippé ou un mauvais contact dans l'Écosse. On a tout nettoyé, on va réessayer pour voir ce que ça donne. Donc on va essayer même en direct, en mettant ça sur la masse, on va essayer de trouver une masse qui est bonne. Je vais carrément remettre la pince croco sur le pince croco, ouais. Parce que là, si je me mets là-dessus, je suis pas sûr que ça fasse bien masse. Ouais. Bon, on peut essayer. On peut essayer pour voir. Alors, qui c'est qui est? Tu vas aller mettre le contact? Vas-y, ouais, tiens, coupe si tu veux. Donc là, on va mettre le contact. On va voir si ça fait remonter le petit téton noir, si ça le colle vers le bas. Ah là, ça marche. Attends, relâche pas. Vas-y, relâche. Recoupe. Voilà, faut tenir le téton, sinon il se barre. Bon, bah là, ça fonctionne. Bon, bah, il n'y a pas de raison. On va voir. Voilà. On va tester en direct. Bon, on vient de remonter tout, ça marche toujours pas. Donc, moi, je suis quasiment sûr que c'est le boulon de 22. C'est électrovan. 22, là. 24, ouais. Ouais, 24, t'as raison. Et du coup, on va changer avec celui de Léa pour tester. Je pense que ça va marcher. Bon, on attaque la montée vers le spot. Waouh, c'est hardcore quand même, hein. Bah, dis donc. Ça monte bien raide, ça va, ça glisse pas trop, tant mieux. Ah non, c'est un Mercos. Mais l'accès, franchement, c'est wow, chaud patate quand même, hein. Mais bon, tant que ça monte, ça a l'air glissé là un peu, mais bon. Ah putain, attends, j'arrête de filer. Bon bah là, ça fait 2 km qu'on monte une route comme ça, là, c'est un peu hardcore, ça glisse et tout. C'est chaud patate quand même, hein. J'espère que la chandelle en veut le coup, en vaut le coup, hein. Allez, j'arrête de filmer, je me concentre. Bon, nous voilà arrivés dans ce magnifique coin de... On est où là d'ailleurs? Bah, là, c'est grasse. Mais non, mais je te filme pas. De toute façon, t'es déjà dans plein de vidéos, t'inquiète pas. Si, dans ce joli coin de Las Negras. Wow, c'est magnifique. Et là, on est à Niger. Ah ben, il est beau là-haut, lui. Le BMX. Donc demain, on va aller voir la plage au fond, là-bas. Et franchement, le petit coin est sympa. On a attaqué une bonne petite tambouille de oignons, choux. Et ça va être bon, tout ça. Alors, normalement, c'est grand soleil. Ça va sécher tout le chemin demain. Ça va être nickel chrome. Ah ouais. Allez, c'est parti, à la cuisine. Bon, on continue la tambouille. Les oignons sont bien revenus. Maintenant, on va faire revenir les bonnes saucisses, mon père. Pour pouvoir mettre dans la gamelle de chou. Avec des autres petites saucisses, des petits bouts de lard. Et encore des oignons. Voilà, voilà. C'est parti. En espagnol.
Bon, regardez un peu dans quel magnifique décor on se réveille ce matin. Donc on est donc à Las Negras, hein, je vous ai dit hier. Et franchement, un magnifique décor, un super soleil en plus ce matin. Regardez de ce côté-là. Il y a la tente de Marco en bas. Alors le Marco, il a dû trop bien dormir là, tranquille, bien à plat, au sec, pas dans la boue. Et voilà les belles montagnes. Qui c'est qui nous a décoré les buissons là? Agustina. Avec des plaids et tout, hein? Agustina. C'est Agustina, elle a mis son linge à sécher sur les petits arbustes. Et bah écoute, ça le fait. Donc, magnifique. Tu vas le voir à ta vidéo pour monter. T'as le petit sentier là-bas. Bah, ouais, de toute façon, on va le faire. Ouais, il y a Punky là-bas, le chat de Léa. Et du coup, bah, aujourd'hui, on va aller donc à la plage qui s'appelle. Ah là, attends, Cala San Pedro. Oui. Je crois que c'est ça, Cala San Pedro. Et c'est une plage de hippies, je sais pas quoi, un ancien village qui a été un petit peu pris par les hippies. Bref, vous verrez ça en vidéo. Et puis, on fera aussi des bonnes escalades. Là, ça va être gâteau au chocolat que Sab a fait hier. Il est trop, trop bon. Avec un petit café. Et puis voilà, on va se réveiller tranquillou dans ce beau décor paradisiaque. Allez. Bisous à tous. Comment ça tape là en plein. Ouais, ça tape grave. Allez, bisous à tous. Et on est parti pour la visite de la communauté de la Cala San Pedro. On va aller voir ça. Donc, je répète, près de Las Negras. Et franchement, on a la chance, le soleil est arrivé. On est au top, top, top moumoute. Nickel. Allez, c'est parti. Oh, vous êtes prêts les deux petits punks là? Ouais. Les petites punkettes là? Bon, Nilo, t'es prêt? T'es prêt à aller marcher? Joli, papa! Ouais. Comment il est lourd? Ouais. Un papa. Ouais, bah attends, j'ai. Attends. Bah, je te la tiens. Non, c'est bon. Allez, on y va! Attends, on attendait. Eh, franchement, regardez si on n'est pas bien là. La Cala San Pedro, perdue au milieu de nulle part, avec un beau soleil, des belles montagnes, des poteaux, tout ce qui va bien. Regardez-moi ça un peu. La classe! Et Obélix, il est là-bas. Donc on est pas loin de Las Negras. Allez, c'est parti pour la plage de Cala San Pedro. On va aller voir les hippies, frère. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça comme c'est magnifique un peu. Alors nous, on est là. Juste au bout de mon doigt où il y a les petites caravanes là-bas. D'ailleurs, c'est la caravane de David qu'on voit. Les belles montagnes. Et après, le petit village où on va, c'est juste là, au fond. Voilà, où il y a l'espèce de château, là. Là. C'est juste là où on va, la plage. De Hippieland. Regardez la couleur de l'eau en bas. C'est magnifique. Franchement, super joli. Allez, bisous, à tout à l'heure. Voilà notre point de vue avec les nuages qui font un peu d'ombre sur l'endroit où on va, la petite plage au bout, là-bas. Et le petit rocher dans l'eau, là-bas. Oh, c'est joli. Le père Marco qui fait des petites vidéos pour sa chaîne. Hein, ouais. C'est comment déjà ta chaîne? L'Odyssée d'un vagabond. L'Odyssée d'un vagabond. Allez voir sur YouTube l'Odyssée d'un vagabond. T'as aussi peut-être Facebook, non? Pas Facebook. Avec le même nom? Le même nom. Et Insta? Non. Non, pas Insta. Donc Facebook et YouTube, l'Odyssée d'un vagabond. Tiens, bah fais voir si tu l'as là ou pas. Voilà. L'Odyssée d'un vagabond sur Facebook, allez voir. Voilà. Et on va vous montrer sa chaîne YouTube. YouTube, l'Odyssée d'un vagabond, pareil. Voilà sur YouTube, alors attends. J'arrive à faire un tour, ouais, voilà, c'est bon, je l'ai. Donc voilà, l'Odyssée d'un vagabond, allez voir. Il a 55 abonnés, franchement, abonnez-vous en masse. Qu'il puisse monter et puis bah, faire son petit délire. De toute façon, Marco, c'est un mec qu'on a rencontré, il est arrivé avec son sac à dos. Bah, peut-être vous avez vu dans les vidéos, sûrement. Ouais. Voilà, et puis de toute façon, t'as toujours voyagé un peu comme ça, à pied, en mode vagabond. Ça fait 3 ans. Voilà, et tu kiffes. Voilà. Avec sa petite tante, son chat. Des photos, des paysages, et puis ouais. Rando, quoi. Sa petite tante, son chat qui s'appelle comment déjà? Luna. Luna. Ma petite Luna. Voilà, et puis bah voilà, il kiffe la racine, il fait des belles rencontres, et puis des fois ça dure, et puis c'est comme ça, les vagabonds, ça passe son chemin, ça. Ça peut rester longtemps ensemble et puis c'est liberté, ça qui est sympa. Là, bah voilà, la vie de nomade quoi. Allez, bisous, bisous. Là, il y a un petit passage sympa où ils ont mis même des cordes pour se tenir. Bon, franchement, c'est pas dangereux. Ça passe tranquille. Ah bah du coup, on aurait pu emmener les chiens en fait. Enfin là, apparemment, c'est en bas qu'il y a des chiens un peu... Joli, hein. C'est ce que je disais. Il disait qu'il y a des chiens en bas. Ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est une belle vue. Hein. Carrément, vu sur ta gueule, c'est une belle vue. Regardez la petite cabane qui est juste là, au bout de mon doigt. Juste là, là. Sympa. Petite cabane hippie. On arrive. Regardez la petite maison qui a été faite avec quelques pierres, là, comme ça. Un petit carreau de récup, sûrement. Ouais. Ah ouais. Pas mal fait, hein. Super. Avec la petite cheminée, là-haut. Ouais, classe. Ah ouais, non, c'est carrément une petite baraque, quoi. Putain, là il est trop bien, n'empêche. Bah ouais. Ah ouais. Voilà, on commence à arriver au village. Hop. Ah ouais, petite source. Oh, Nilo, il s'éclate dans la source. Yes. San Pedro. Utilisez les latrines. Emmenez vos déchets à Las Negras, n'utilisez pas de produits chimiques. Ok, ça roule. Petite balançoire au milieu des arbres. Cool. Et on vient de rencontrer un abonné là. Il est là-haut. Et là, il est plus là. Mais, oh pardon, excuse-moi. Voilà. Il y a un abonné là de Namur. De Namur. On a vraiment beaucoup d'abonnés belges, hein. Voilà, avec l'eau de la source, il y a des petits jardins improvisés. C'est marqué quoi? Catherine Melogo. C'est quoi ça, Catherine Melogo? Je sais pas ce que c'est. Voilà, il y en a un peu partout. Des figuiers. Encore une petite baraque installée tranquillou. Avec deux, trois petits panneaux solaires posés à l'arrache. Il y en a un peu partout, il y en a en bas encore. Ah, la même maison, l'entrée. Sympa, c'est joli. C'est mignon tout plein. Encore une autre par là. Ah non, c'est la même, c'est le jardin. Ah, une petite tente installée avec un pied de courge par terre. Nickel. Voilà. Joli comme tout. Magnifique. Voilà, tout le monde est là-bas sur la plage, les poteaux. Voilà, donc dans un endroit paradisiaque, on a le droit à un petit bar derrière nous. Franchement, si c'est pas la classe, ça. Super joli. Alors en fait, plus on se promène, plus il y a des petites maisons, des tentes, partout, partout. En fait, là, on regarde comme ça, on voit rien, mais il y en a partout. On passe un petit buisson, il y a des tentes. Alors je tiens à dire que c'est hyper rare, que tout est propre. Je vois pas un seul bout de PQ. Je vois pas un seul bout de PQ qui traîne. J'ai eu, je crois, une canette. Bon. Mais c'est par rapport à ce qu'on voit en Espagne, franchement, c'est super propre. Mais là on voit rien, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais il y a des tentes et des machins partout. Ouf. Ouais, il y en a un petit peu, mais honnêtement, ça va. Ça violente pas les yeux, on va dire. Donc voilà. Là, vous voyez pas, mais il y a des tentes partout, des machins partout. Comme là, juste en dessous, il y en a une, mais on va voir. Voilà, là en bas, je sais pas si on voit, mais il y a une sorte de poulailler. Donc je serais curieux de savoir combien de personnes habitent ici. Parce qu'il y a tellement de tentes, de petites maisons, de machins, que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui vit ici, en fait. Voilà. Alors on va continuer à se promener. Et puis en plus, ils sont bien là, ils sont à l'abri du vent. Là-bas, il y a une grande baraque. Hein, ouais. Qui chauffe sur le toit. Ben ouais, ça c'est excellent. Là, vous voyez le tuyau noir qui est sur le toit, en paille là. Ben, en fait, ça sert à chauffer l'eau, hein, tout simplement. Et comme là, faut bien choisir dans quel sens on est orienté au soleil, ainsi de suite. Mais c'est vraiment sympa, c'est un peu le style de terrain qu'on aimerait bien voir plus tard, quoi. Ouais. Bon, avec une partie un peu plus plate quand même, parce que là. Ouais. Alors, trouver un terrain comme ça où tu peux faire un peu ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, c'est pas évident. Hein. Personne t'emmerde. Ouais. Bah, ça. Mais là, regarde la petite baraque en bas en pierre là, elle est trop belle. Ouais. Il y a la petite maison. Et je tiens à dire, c'est vrai, hein, que c'est quand même vachement propre. Hein. Ouais, oui. Tout est bien fait, tout est. Voilà.
Donc ils doivent avoir quand même certaines règles. Bah, on a vu à l'entrée, hein, y a quand même certaines règles. Ils ont fait un gros chiotte commun parce que l'été, bah, pour éviter que tout le monde pisse partout et puis ainsi de suite, que ça pue la pisse et le caca et les PQ, justement les PQ dans les buissons. Ils ont fait quand même un grand chiotte. Bon allez, on va se promener, on continue à voir, à découvrir la petite baraque, les trucs. Allez hop, c'est parti. Attention Lily. Là, il y a encore une cabane avec des orangers, je crois, ou citronniers. Non, citronniers. Des gros citrons énormes, là. Attendez, on va vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez au bout de mon doigt, là, il y a des citrons. Regardez bien. Voilà, encore une cabane avec bananiers aussi. Là, les feuilles qu'on voit ici, c'est les feuilles de bananiers. Voilà, voilà. Allez, on continue. C'est quand même joli, hein, avec la mer juste là. Terrain paradisiaque, loyer zéro. Voilà, il y a des petits potagers improvisés comme ça. Alors tout ça est possible, bien sûr, parce qu'il y a une source naturelle. Hein. Sinon, comme on dit, hein, sans eau, il n'y a pas de vie, quoi. Donc là, on voit que c'est entretenu, c'est super bien entretenu. Enfin, c'est-à-dire, c'est tout est calculé, quoi. Avec les plantes. Ouais, les plantations un peu partout. Ouais, carrément. C'est magnifique. Même les petites cabanes, elles sont super jolies. C'est pas un truc bidonville, quoi. Ouais. C'est pas avec des tôles, des machins. Non, c'est magnifique, quoi. Un coin de paradis. Voilà, nous, à quoi on veut arriver, en fait, sur notre terrain, un truc comme ça, ah ouais. Où il n'y a pas des déchets partout, et puis où tout le monde respecte l'autre. Alors, c'est peut-être utopique, tout ça, mais on ne sait pas. Ici, ça a l'air de marcher. Hein. Là-bas, il y a un potager, on va sûrement passer devant. Ouais, allez, on va aller voir ça. Vous voyez, ce qui est génial dans la vie, c'est qu'en fait, si vous avez des graines, comme ce petit poivron qui est là, hop, un poivron ou un piment, je ne sais pas, hein. En fait, ils ont fait de la taille, ils ont taillé un peu entretenu, vous voyez, il y en a plein encore là-bas. Et ben là, vous avez juste à récupérer toutes ces graines-là, des petits semis, un climat adéquat, une source de l'eau, et c'est tout ce que vous avez besoin, des graines, un climat adéquat et de l'eau. Et ensuite, ben, vous avez de la nourriture en abondance, ce qu'ils ont l'air de faire ici. Et ça, c'est cool. La classe. Alors, je me répète, j'espère que je suis pas trop chiant. Mais tout est fait de petits sentiers comme ça, c'est super agréable. On sait jamais où on va du coup. Ouais, je sais. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est très calme. Voilà, il n'y a pas de boum boum, de machin. C'est super calme, il y a juste les petits oiseaux. Et franchement, bah, c'est super agréable. Vraiment un lieu qui balance des bonnes ondes. Un lieu paradisiaque pour nous, quoi. C'est vraiment à ça qu'on voudrait arriver, en fait. Un truc sympa comme ça, ça une tuerie. Bah pourquoi on s'installe pas là? Pourquoi on s'installe pas là? Bah ouais, c'est vrai. Bah on est bête. Hein. Alors là, je zoome un peu, donc on voit encore une cabane là-haut. Encore une là-bas, on voit qu'il y a du linge qui sèche là. Au bout de mon doigt, ici, juste au bout de mon doigt, on voit qu'il y a du linge qui sèche. Donc il y a encore une cabane. Là-haut, on voit qu'il y a des panneaux solaires. Donc c'est okay. Encore une cabane, il y en a partout. Voilà. Là aussi, il y a un tipi, il y a une sorte de tipi là, en bois, tout ça. On va faire le tour du coup. On se croirait vraiment chez Robinson Crusoe. Hein. Franchement, c'est magnifique. Avec la petite table là, faite de briques et de broc, comme on dit. Bon, c'est excellent. Alors regardez encore celle-là, comment elle est magnifique. J'adore. Petite cabane de Robinson Crusoe. Un panneau solaire. Un petit panneau solaire et tout va bien. Trop top. Pourquoi une cagette avec des pierres? Regardez ce petit coin de paradis là. Le fond il est vert mais l'eau elle est transparente. Voilà. Pourquoi il y a des couverts? Alors je répète, hein, c'est pas un lieu touristique, comment dire, géré par l'État et ainsi de suite. Hein. C'est Las Negras, hein, Cala de. Comment ils disent? Cala San Pedro. Où c'est un peu du sauvage. Bon, il doit y avoir une gestion, bien sûr. En fait, ça s'est envolé. C'est des assiettes. Mais espérons que ça soit une gestion libre, quoi, en bonne entente de tout le monde. Bon, on a le droit d'y croire. Ils sont souriants. Ouais. Puis là, on se promène. Nous, on n'a rien demandé à personne, quoi. Donc, ça a l'air d'être positif, tout ça. Regardez ce petit coin, là. Bien sympa. Propre et tout. Avec monsieur le chien qui nous regarde. Bonjour mon toutou. Bonjour mon toutou. Bon, je l'ai caressé, super gentil. Et les chats. Et regardez, la petite balancelle. Ouais, il y a les chats là-haut. Attends, parce qu'en fait, à force de tourner le téléphone, les gens, ils ont le tournier. Il y a les chats là-haut sur la poutre. Et là, la petite balancelle, avec 2017 San Pedro. En fait, on croirait vraiment un lieu touristique, en fait. C'est genre...
On a l'impression des fois presque un parc animalier ou. Mais non, non même pas. Encore une belle cabane, hein. Je vous gonfle avec mes cabanes, mais elles sont tellement jolies que j'arrive pas à m'empêcher de, voilà, de toutes les filmer. Il y a des chats partout. Ouais, il y a des chats partout pour Lily. Nickel. Donc là on voit qu'il y a un robinet. Donc alors ce qu'il y a c'est qu'ils sont pas raccordés au réseau ici. Pourtant il y a de la pression, fais voir. Il appuie un coup. Une bonne pression même. Ouais, c'est bon. Là tu peux faire une douche pour un petit gamin. Ouais. Donc est-ce qu'ils ont des surpresseurs, des trucs, ou est-ce que c'est juste le fait que la pression elle est haute, c'est la source, donc peut-être que c'est ça, mais bon c'est bizarre. Voilà, encore une belle cabane ici. Hein. Avec un beau petit barbecue. Voilà. Derrière, il y a un panneau d'information, chérie. San Pedro, Información Los Martes. Bon, bref. Je sais pas lire espagnol alors. Mais il y a quand même une gestion, bah normal. Hein. Joli, hein. Magnifique. Un petit havre de paix. Encore des cabanes en bas. Avec les copains en bas. Bon, là, sur le bord de plage, on tombe là-dessus, une petite plaque. Alors, je vous la filme parce qu'elle est là, mais j'ai pas tout compris, hein. J'ai bien compris que c'est en mémoire de Antonio Javier, hein. Te queremos siempre con nosotros, tu familia. Donc, je comprends familia, mais c'est tout, quoi. Bon, bref, je vous la filme. Et il y en a plein qui vont savoir ce que ça veut dire. Bisous. Bon, il y a des courageux là-bas, hein. Il y a Liam qui est en train d'aller se baigner. Allez, un indien dans la ville, baboune, baboune. Je crois qu'il y a des... La respiration est retenue quand même. Hein. Ouais. Hein. Ça caille quand même. Wow. Ils sont Aquaman. Bon, on va repartir de cet endroit paradisiaque. Hein. Et là, ils ont installé un petit truc comme ça là pour faire la... Je sais plus comment ça s'appelle. Hein. Alors c'est Lily. Allez, Lily. Ouais. Allez Liam, tout ça Liam. Non. Oh. Moi j'ai entendu que Antoine il voulait le faire. Allez Antoine. Le truc moi. Allez Antoine. Olé. Non, le mieux ce serait David. 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 David! David! Il y a le? Non, mais non, t'as. Ah, c'est bon. Alors là, il est en haut de la corde, mais. Allez! Allez! Vas-y papa, essaye. Bien joué. Ah non, moi c'est impossible. J'ai peur de péter le truc en plus. Pas sûr que ça se fait pour les gros poids. Hein. Attention au tiers de ce côté-là, Liam, ça me fait peur. Mais non. Voilà, on est sur le chemin du retour. Bien sympa cette petite après-midi sur la Cala San Pedro. Bah c'est toujours aussi beau, même avec le coucher du soleil, c'est magnifique. Beautiful. Alors on est sur le retour, et bah sur le retour du coup on discute, et on était en train de se demander comment qu'en fait ce petit lieu là-bas, donc où on était, hein, la petite plage qui est là-bas, vous avez bien vu, comment ça se fait que cette, comment on peut dire, ouais mais voilà, que personne les embête, l'État ne les embête pas pour vivre comme ça et tout ça. Ben on s'est dit tout simplement que le seul accès, ben c'est ce chemin qui est là, ou par la mer en bateau. Donc je pense que c'est pas assez accessible au tourisme de grande masse, on va dire. Et du coup, il n'y a pas assez d'oseille à se faire. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et je pense que c'est pour ça qu'ils autorisent. Qu'ils viennent pas voir ce qui se passe ici. Et que du coup... Attends, excusez-moi, mais ça monte. Hein. Et que voilà, que cette communauté peut vivre tranquillou. Et on peut voir que ça fonctionne pas trop mal, hein, de ce que j'ai vu. Alors, il paraît que l'été, par contre, c'est blindé de chez blindé, que là, toute la plage ici, c'est que des tentes partout, enfin, c'est super blindé. Mais c'est ce qui fait vivre aussi, quelque part, la communauté. Ils doivent vendre un peu de leurs produits, de l'herbe, hein, faut pas rêver, hein, un petit peu d'herbe et tout ça, et du coup, ça les fait vivre après pour l'été, pour l'hiver.
Mais voilà, donc je pense que là, comme c'est un lieu qui est accessible uniquement par ce petit sentier, c'est pour ça, je pense que du coup, l'État a laissé un petit peu le lieu aux autres, aux communautés, parce qu'ils n'ont pas assez de blé à se faire là-dessus. Bon, ça n'engage que moi, c'est ma pensée. Après, tout le monde peut penser autrement, il n'y a pas de souci. Allez, nous, on rentre. Bisous, bisous. Bon, ce matin du... Je sais pas combien janvier, j'ai même pas regardé la date avant de faire aller commencer la vidéo. Hein, 11, je crois, 11 ou 12. On voit plus les jours passer, on sait même plus quel jour on est. On se réveille tranquillou. J'ai passé une nuit de merde. Non, 13. 13. Oh, pff, comme quoi ça passe plus vite qu'on pense. Parce que, tout simplement, j'avais incliné mes panneaux là-haut. Il y a eu un vent de malade cette nuit, du coup... Toute la nuit, j'entendais le vent, je dis « Oh, ça va se calmer, ça va se calmer ». Puis bon, voilà, ça m'empêchait de dormir. Du coup, j'aurais mieux fait d'aller là-haut, les descendre. Et au final, j'y suis allé ce matin parce que ça me saoulait, quoi. Heureusement, j'ai réussi à m'endormir un peu, donc ça m'a fait du bien. Comme quoi, hein, des fois, voilà, il y a des galères. Enfin, des galères. Vaut mieux ça que de perdre les panneaux. Donc, il fait super beau ce matin. Franchement, on va se faire une bonne randonnée, je pense, dans la montagne. Voilà. Nous, on va commencer par un bon petit déj. Un bon petit déj aux céréales, c'est ça mon Jojo, avec du lait d'amande ou de lait de soja. Ma petite femme nous a préparé des petites biscottes qu'on va prendre avec le petit café, tranquillou, tranquillou. Ah, c'est bien sur ce spot parce que il y a des, du coup il y a des hippies qui se baladent partout. En fait ces gens-là, attends, ces gens-là viennent de la communauté. On a été qui a un quart d'heure, 20 minutes à pied. Et puis il y a plein de gens comme ça qui passent avec des sacs à dos. Pour tout simplement aller ravitailler, aller chercher, faire leurs courses. Ouais, tes chai d'ailleurs, ça sent bon. Pour aller faire des courses, par exemple. Ou faire leur ravitaillement, ouais, et puis ainsi de suite, hein, tout ce qu'ils ont besoin de faire. Il y en a plein qui sont à pied, donc faut savoir que là... Ah bah, il y a Iris qui est venue leur dire bonjour. Faut savoir que là, il y a donc du coup, pour aller à la communauté en bas, il y a... je dirais combien... À pied 2-3 km quoi. Et puis là, de où on est du bus au village de Las Negras, il y a 8 km. Donc ça fait déjà une bonne petite marche de 11-12 km aller pour aller se ravitailler de courses et de ainsi de suite. Allez, gros bisous pour nous, c'est le petit déj. Il y a Lily qui vient de se réveiller. Et puis on va faire le petit déj en mettant un petit truc sur l'ordi, une petite vidéo. Réveiller, mais il y a un peu plus longtemps. Ouais, une petite vidéo, un petit truc pour se réveiller tranquillou. Avant d'aller voir les poteaux. Voilà, il y a Marco avec sa tante en bas, tranquille. Oh, il doit être bien là en bas. Regardez comment c'est joli, le super beau paysage qu'on a là. En plein soleil en plus. Allez, bisous, bisous. Bon, allez, il fait beau, on part pour une petite ascension. Bon, rien de méchant. Hein. On va monter là-haut là. Hop, mais bon, franchement, ça va, on a fait bien pire. Allez, en une demi-heure, 40 minutes, une demi-heure, on est là-haut. Allez, c'est parti. Puis d'ailleurs, je vais en profiter là-haut pour uploader ma vidéo, pour pouvoir vous mettre une vidéo. Alors, bien sûr, ce sera pas ce que je suis en train de dire là. Vous avez bien compris le délire, parce que là, je suis méga super en retard. Allez, bisous, bisous. Voilà, donc déjà une première étape. On a une belle petite vue sur le camp. Voilà, sympa. Allez, je vous refais une vue d'en haut. Je vous refais une petite vue aux trois quarts du chemin. Et voilà, le petit parking est là. Et le village de Las Negras qui est là-bas, par où on est arrivé, où j'ai galéré pour trouver un accès. Vous voyez, tout ça, c'est que de la route en terre, avec plein de gros cailloux. Ça glissait pas mal jusqu'au village là-bas. Allez, on finit, on continue. Bon, désolé pour le vent, hein, ça doit souffler dans le micro, mais regardez, quand il y a des petites sternes, ou je sais plus comment ils appellent ça, comme ça, c'est vraiment terne. Des cairns, c'est qu'on est en haut. C'est aussi pour la discussion. Ah ouais? Ouais. Voilà, le petit parking est là. Las Negras, ça y est. Eh ben, c'est joli, hein. Ouais. Ah ouais? Il y a un mont enneigé là-bas. Alors je vous filme vite fait, désolé pour le vent, vous voyez qu'il y a de la neige là-bas. Donc mon doigt là, et là dans le trou, hop, ça va faire le point. Allez, voilà, il y a des beaux monts enneigés là-bas. Allez, je coupe parce qu'avec le vent, c'est une horreur.
Bon, finalement, j'ai pas réussi à tout faire, encore uploader tout ça. Pourtant, c'est pas grave, désolé pour le vent. En fait, j'étais avec Marco en faisant un petit feu, là, vous avez vu, en mode bushcraft, un peu, là, pour rigoler. Et du coup, Sab et Liam et Jojo nous rejoignent avec les saucisses, un peu de pastis. On va faire un petit feu, ça grille quelques saucisses, c'est marrant. Et regardez sur quoi je tombe en allant les rejoindre, là, je dois faire toute la crête. Regardez sur quoi je tombe. Je viens de voir ça, un mec qui a fait ça. Sa petite cabane tout en pierre ici, au bout de la colline. Ah non, on est tout là-bas, désolé pour le vent encore une fois, on est tout là-bas ici. Regardez, le mec. Ça va, dommage, je suis en train de s'écrouler aussi. Le mec, voilà, il a monté son petit truc en pierre. Pas mal, hein. Sacré boulot, réunir toutes les pierres et tout. Bon, ça a dû vieillir et puis du coup, ça l'abandonne. Sinon ça aurait pu être ça. Bonne caverne d'Alibaba. Bonne caverne d'Alibaba. Bon allez, ah bah ils sont là. Voilà, je les vois, ils arrivent là-bas. Ah, impeccable. Voilà, voilà, un petit apéro au sommet de la montagne, ça va être cool. Un petit pastis, on a même de l'eau avec des glaçons, franchement, faut le faire. C'est pas la classe, ça. Il y a du pain, un peu de saucisse, tout ce qu'il faut. La petite cabane que je vous ai montrée là, la mer, la montagne. Et nous, le campement est juste en bas. Bon, je vous l'ai montré plein de fois. Alors, est-ce qu'on va le voir? Ah bah ouais, on voit même Obélix. Comme il faut. Voilà, juste en bas là-bas. Bisous, bisous. Allez, on s'attaque quelques saucisses sur le feu. Sympatoche. Ah bon Marco, on est bien là? Bah carrément, regarde. Attends, on va vers... Ah, L'Odyssée d'un vagabond, putain, j'ai du mal. J'ai froid maintenant. Mais par contre... Bon, ça commence à être pas mal tout ça. Moi, je fais ça. Ça cuit gentiment, tranquillement. Au milieu de la montagne. On est plutôt pas mal. Avec la cabane de monsieur je sais pas quoi là, qui a été faite. En pierre. Cabane de René. À Las Negras. Cala de San Pedro. Le coin des hippies. Ça va bien quand je dis ça avec ta tête là. C'est du bois. Bon ben voilà, on a passé un bon petit moment sympatoche. Le soleil commence vraiment à ressembler au soleil du soir. Hein. Donc on n'a pas trop envie d'entrer dans la nuit. Dans le froid. Donc on a bu deux petits pastis et puis on va se rentrer tranquillou. Impeccable. Non, ça va pas, j'en ai plus qu'un. Ah merde. Bon, on va devoir en boire un autre avant de partir. Mais non. Voilà ce que ça donne, les belles lumières du soir. Alors il est prêt à se coucher le soleil là. Ouais. Et puis bah du coup on est quand même en hiver, hein, le vent ça pique. Hein. Donc il faut qu'on retourne quand même, vous avez vu, là-bas où il y a les... Où il y a tous les camions. Le parking qui est là-bas. Oups. Voilà, il faut qu'on redescende là-bas. Donc allez hop. Pas trop, on y va, c'est parti, au revoir la cabane, bye bye. Voilà, on a éteint le feu, on a mis plein de pierres dessus pour pas qu'il y ait de danger, hein. Et puis bah c'est reparti pour la descente. J'adore les lumières du soir, c'est une tuerie sur les petites grottes qu'il y a là, vous voyez. Attention là, faut pas tomber, c'est ça, c'est haut. Allez, on est reparti pour une belle marche. Bah les mecs qui ont bu du pastis, ils vont pisser un coup, hein, bravo. Arrête, Liam, il est en train de pisser. Bon, ma chérie, t'es en mode igloo, là. Ouais, je suis en mode, je me prépare au froid, là. Ouais. Bon, il fait pas froid, hein. Ah, bah, sortir du feu et tout. Par contre, les... T'as vu les lumières qu'il y a? Ah, c'est beau, hein. Ouais, carrément. Magnifique. Dommage qu'il y a... un mec qui pisse devant, mais bon. Il est beau aussi. Voilà. Nous sommes donc devant... Hop, on va cacher. Oh, ça fait joli, ça. Donc, la cabane de René Renato. Renato. Regarde comment ça fait bien avec le... Il cache le soleil avec comme ça. Ah, putain, la photo de fou. Ah, ouais. Faire... Regardez-moi ces couleurs de malade. Donc, les véhicules sont là, hein, bien sûr. Au bout de mon doigt. Regardez un petit peu les couleurs de malade qu'on a le soir. Alors, certes, il fait froid. Mais par contre... Pff, c'est vraiment magnifique.
Voilà, je vous fais un 360. Tellement c'est joli, les couleurs rosées comme ça. Comme disait Marco tout à l'heure, on a l'impression qu'on est au milieu de nulle part. C'est vraiment sympa. Juste le petit village de Las Negras là-bas au bout. Allez, on y va. Allez, on attaque la descente du sentier. Olé. Jusqu'au parking là-bas. Allez, c'est parti. Ah, Dylan, je t'ai grillé, on voit que t'es passé par là. Vaga. Vagabond. Regardez tous ces petits tas de pierres qui ont été faits pour indiquer le chemin. Alors ce qui est marrant, avec le téléphone, on voit pas le contraste. Ouais. On a l'impression que les pierres, on les voit pas. Ouais. Voilà, il y a des petits tas de... Ouais, on voit mieux là. Petits tas de pierres comme ça partout, qui ont été posés, pour indiquer le sentier. Bon, la qualité de l'image doit pas être terrible, mais je voulais vous montrer ce contraste des silhouettes des véhicules. Bien sympa pendant la descente. Super sympa. Allez, on arrive sur la nuit... Bon, elle est presque arrivée. Hein. Petite impro de rap sur Petit Frère, et c'est ça qui est bon, la famille. Presse, presse. Petit Frère. Oh. Yes. Une bonne petite impro sur Aya, mais ça, c'est bon. Au milieu de la montagne, mon frère. On est là, on est présent. Les Gaulois, on est là. Et tout ça c'est de l'impro, mon père. Mais comment il fait ça? No more damaging this planet we're inhabiting. Rich people with wealth they've acquired with selfish desires I could never admire. Tu sais qu'un bon petit chaudron, des bonnes petites grillades, la famille. Yes, man. Vive Las Negras. Yes. Oh, represent. Les bonnes vibes. Donc, répète after me, viva Las Negras! Faites du bruit pour Las Negras! Encore des lions, c'est pas viré par la Guarda. Wow. Voilà encore les bonnes ondes, du bon son au milieu d'un soleil étoilé. Je ne sais pas si vous le voyez, au milieu de nulle part, on est trop bien là ici, la famille, avec un petit feu, des bonnes vibes, des good vibes, de la fumée. La fumée, les pommes de terre, de la viande, tout ce qu'il faut, des poteaux, de la musique. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Yes. Bon, encore comme d'habitude, des bonnes vibes autour de ce chaudron. Ça va, Agustina? Tout va bien? Ah, fuck. Fuck, fuck, fuck. c'est bon, je suis parti, c'est bon, tu peux te relever. Hein. Avec mon poteau Seb. Avec, comment c'est dit? On ne sait plus comment il s'appelle, mais... Adré? Là ou là? Adré, you? Oui. And you? Sergi. Sergi. Avec good food. Yes. Good food. Yeah. For the community. Yes. Yes, man. Yes, comida. Hein? Comidad. Comidad. Comidad, l'ovestia. Il avait compris, hein. Oh. Oui, bah, oui. Quoi? Arrête, ils vont croire que c'est une insulte, les gens. Ils comprennent pas l'espagnol. Qu'est-ce qu'on veut dire, bueno en la... En gros, on a voulu dire que ça, ça déchire sa grand-mère. Un super plat. Voilà. On comprend, ouais.
Et tout ça au milieu de nulle part, et c'est ça qui est bon. Au milieu des montagnes espagnoles. Mamma mia. Non, non problème. Non problème. Caliente, non problème. Oh, t'inquiète. Heureusement, nous sommes avec Agustina. Faites des bruits pour Agustina. C'est bon, j'ai coupé, t'inquiète. Bon allez, on se rend à une petite balade aujourd'hui. Il fait toujours super beau, carrément. On va essayer d'aller justement à la petite grotte, enfin la petite grotte, grosse grotte quand même, qu'on a vue hier. On avait dit en descendant qu'on irait essayer de d'y accéder. Allez, c'est parti. Bon, on a trouvé une piscine naturelle. Ragna l'a... Naturelle, je crois. Pas Ragna, Gaïa l'a... Inauguré. Ouais. Oh la bourrique. Il y a un beau cactus là. Avec la petite ruine. Bah, évite peut-être, je sais pas si on peut trop aller. Hein. J'ai pas vu la couleur. Nous voilà en haut. C'est toujours aussi magnifique, hein, ça n'a pas changé par rapport à hier. Et maintenant, on va essayer d'atteindre la grotte. Alors là, on voit pas. Mais il y a Sab. Ils y sont déjà. Alors attendez, j'ai essayé de. C'est par là, à peu près au bout de mon doigt. Là. Allez hop, on est parti. Oh, fais le point. Allez, Mano, il arrive. Il nous a rejoint. Iris aussi, la pauvre, elle en peut plus, Iris. Elle qui est pas du tout sportive. Puis là, la grotte, elle est quand même bien balèze, hein, franchement. Cool. Allez, on aménage ici. On emménage ici. Regardez comment elle est stylée, la grotte. Trop la classe. J'adore. Ouais. Et voilà l'intérieur de la grotte. Franchement, ça claque. Je la pensais pas aussi grande. Elle est quand même bien, bien sympa. Voilà. Nous voilà arrivés en haut, du coup on se fait comme hier, un petit feu de camp, tranquille. On est trop trop bien là. La classe. Bravo les gars. On va rester là toute la night. T'as la punk. T'as perdu un peu de gras du cul quand même. Ouais. En deux jours là, ouais. J'ai mangé trop de granola. Bon, nous voilà dans la redescente. Sab et Jojo sont là. Le camp, le parking est là-bas. Et il y a Audrey qui arrive avec Camille. Alors nous, on a choisi le mode direct, vol d'oiseau. Sauf qu'on vole pas, c'est ça le problème en fait. Mais bon, ça descend, ça va. On s'attendait à pire. On s'attendait à plus raide que ça. Ça y va tranquillement, ça y va. Bon, nous, on va se coucher ce soir. Hein. J'ai pas trop filmé aujourd'hui. J'ai assis un petit peu la grimpette, ouais. Et là, ça m'a fait penser de filmer parce que, regardez, Liam est en train de lire vos commentaires sur sa chaîne YouTube, hein, bien sûr, qui s'appelle Mini Gaulois, vous savez. Et du coup, je pensais à ça parce qu'en fait, eh ben, ça lui fait réviser la lecture et l'écriture parce qu'il essaye de répondre un petit peu. Et il lit tous vos messages, donc ça lui fait entretenir, on va dire, la lecture, tout simplement. Voilà. Donc merci pour tous les commentaires que vous laissez à Liam sur sa chaîne Mini Gaulois. Et puis du coup ça lui fait plaisir et ça marche bien, en sachant que comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je ne contrôle même pas ce qu'il met sur YouTube. Ouais. Il sait écrire, mais il sait pas écrire. Il y a des mots qu'il sait pas trop écrire. Bon, et toi tu sais écrire toi? Non. Bah alors Margoulette, tu sais écrire quoi? Lis mon prénom. Bah pas que ça. Ah. Mon prénom et vos prénoms. Quelqu'un qui met un Y. Ah, il y en a un qui a mis un Y sur le nom de Liam. Parce que Liam, c'est L-Y-A-M. Et la plupart des gens écrivent L-I-A-M. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est vraiment pas grave. Donc toi, tu sais écrire quoi, toi, Margoulette, là? Mon prénom. Ouais, ça, on a compris. Mon prénom et votre prénom. Papa, maman. Pipi, caca. Bah, tu sais écrire plein de trucs, quand même. Pas pipi, caca. Non, mais on s'intéresse aux lettres, tranquillement. Quand ils ont envie, hein? Oh là là, bien joué les grands. Ah oui, Patrick le Roi Soleil, il met plein de commentaires. Il habite en Espagne d'ailleurs.
Et merci pour les grands commentaires, comme ça, ça lui fait encore plus de lecture. Et ça, c'est très bien. Allez au boulot pour lire. Bon, nous voilà revenus à la plage de San Pedro. Hein. Et regarde ce que je suis pas obligé de faire pour vous. Hein. Obligé de me mettre sur un rocher où là, il y a la 4G à fond. Je sais pas si on voit, attendez. Hop. Ah, il fait pas le point. Voilà, 4G. Et sur mon téléphone à moi, j'ai même la 4G+. Et je téléchargeais à 3 mémosecondes pour uploader la vidéo que vous attendez depuis longtemps. Et il y a que cet endroit là où j'ai un petit peu de réseau de ouf quoi. Ah quand même, je me prends la tête pour vous. Hein. Non, si jamais je tire, tu vas tomber. Donc bah là j'ai une demi-heure pour uploader. Mais ça va le faire, ça va le faire. Bon bah voilà, j'aurai un souvenir de San Pedro. De Hanpok Tattoo. Par what's your name? Vicente. Vicente, par Vicente. Voilà. Dans la casa. Ah, in a casa. In a casa. Souvenir de San Pedro. Il me reprend le tatouage qu'on avait fait un petit peu à la con là. Pas terrible. Du coup, il me le reprend au handpoc. C'est-à-dire à la main quoi. Tatouage, on va dire natural. Thank you, Vicente. C'est là. Gracias, muchas gracias. Bon, du coup, les tatouages sont finis. On repart au camp de nuit. Mais j'éclaire pas. C'est chaud. En plus, moi, je suis pieds nus. Mais bon, ça va le faire. Bah oui. Ouais, carrément. Ça va, mon Jojo? Ouais. C'est l'aventure? Ça va être bien sympathique pour un coup. Ouais, tranquille, tranquille. Allez, c'est reparti. Anniversaire, petit pastis. Anniversaire, petit pastis. Joyeux anniversaire, petit pastis. Merci. Joyeux anniversaire. Oh non, il a mangé, il a mis des... Ouais. Non, il a mis des poustillons dans le gâteau, moi j'en mange plus. Ouais, bah là, on fait le sirop. Comment on dit déjà en espagnol? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. C'est vraiment un truc à la con, hein. Feliz cumpleaños. Non, 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 il faut dire petit. C'est que pour moi. C'est mon gâteau, c'est à moi. Mais c'est à moi. Faut dire petit pastis en espagnol. Hein. Poquito, pastito. Poquito, pastis. Poquito, pastis. Vite, je vous filme un gros camion qui passe. Bon gros camion de pompiers. Sympa. Ah bah celui-là il passe partout hein. Pas de soucis hein. Allez, petit départ en famille pour une petite crique qui est en bas là qu'on connaît pas. On va découvrir, on a sorti le gros sac là. Ça rigole plus, on va faire un petit pique-nique en bas. Puis bah histoire de se promener. Puis allez vous découvrir cette belle crique. Allez c'est parti. Donc là on se descend un petit canyon sympa là au milieu des montagnes. Hein, qui est un petit canyon asséché quoi. Sympathique. Bon, elle a des petites missions un peu dur, hein. Ouais. Surtout elle, le sac à dos, mais il pèse 4 tonnes le sac à dos, c'est un truc de malade. Puis j'ai les pompes qui glissent là avec une sorte de glaise en dessous. Et ça, papa, quoi? Ça, c'est le cadeau de... De Billy. Ouais, de Billy le bûcheron qui nous a offert le sac à dos. Tu récupères Lily? Qui s'est crevé un œil. Attends, tu dis qui s'est crevé quoi? Un œil. N'importe quoi, Billy là, pas n'importe quoi. Oui, je crois. Ah, je te dis que non, Jojo, dis pas n'importe quoi non plus. Voilà, un petit escalier à descendre. Vraiment sympa de se promener dans ce petit cours d'eau asséché là. Petite balade bien sympa. Bon, en plein soleil, on est en train de crever de chaud, mais bon. Un truc au moins de ça. Ouais. Ah ouais, on a fait des petits sauts. Petite escalade quoi. Il n'y a pas beaucoup de traces de pieds avant, à part nous. Hein. C'est magnifique.
Ah, il y a du romarin partout ici, hein. Franchement, voilà, ça sent bon, on frotte. En passant, on frotte dessus, ça sent super bon. Ah, moi, le sac à dos, franchement, il doit peser au moins 30 kilos, je pense. Facile. On a pris de quoi faire un pique-nique. Bah ouais, un petit pique-nique, tranquille. On a pris des pommes dessus et du chocolat. Ouais. Ah. Allez. Bon, on doit plus être très loin, là. Alors, on attaque un petit passage un peu difficile. Il y a même de l'eau. Oh, Bédi. Et là, alors vous n'allez pas voir avec le contraste, mais il y a plein de petites grottes partout. Je vais attendre d'être côté ombre pour vous filmer ça et vous montrer tout ça. Waouh, mes genoux, ils souffrent. Ah, ça y est, on voit la mer au fond là-bas. On n'est pas loin. Alors là, on passe côté ombre. Il va faire tout de suite beaucoup plus frais. Allez, allez, ça descend. La mer est juste là-bas. On y arrive. Lâche-moi, il est fou lui. Il saute, il est... Ah bah alors, ça y est. Il saute. Faites gaffe que la terre doit être un peu mouillée encore. Mais non, mais les jeux, quand tu sautes, il faut lâcher. Allez. Attends, Lydia. Oh my god. Ça marche. Bon, allez, on va descendre ça. Allez, avec le sac à dos, c'est... Sac à dos militaire. On va descendre en arrière. En plus, ça glisse. Regardez, on se rapproche de la mer. Bah, sans le sac à dos, ça va. On se rapproche de la mer. Oh, ça va. Regardez, on se rapproche de la mer. Il y a des grosses moules. Il y a encore un peu d'eau qui traîne. Hop. Donc voilà, fin du chemin. On arrive sur la petite crique. Hop, avec la petite plage de galets. Ah bah oui, bah. On n'est pas les premiers à venir là, hein. Il y a eu des petits feux qui ont été faits. Parce que je pense que là, on a encore le soleil une demi-heure, après plus de soleil. Ah, sympa. Sympa la petite crique. Il va falloir essayer de trouver du bois, ça peut être facile. Pour se faire un petit feu. Ah bah, une chaise. Yam, il a trouvé une chaise. Une chaise pétée, c'est bien. Ça a nettoyé en plus comme ça. Voilà. La petite crique. On va se mettre à l'abri du vent. Pour pouvoir faire le petit feu. Ça va être impec. Allez, mission bois maintenant. Vous trouvez du bois, les garçons. J'en ai trouvé plein, regarde, c'est ici, viens. Ouais. On va aller voir la petite grotte là. J'aurais mieux fait de passer mon sac. Poser mon sac à dos. Attends. Oh là là, sympa la petite faille là. Fais gaffe, il y a des vagues au bout. Ça me fait penser au film 127 heures. Oh là là. Regarde, on a du bois. Ah non, mais ça c'est des tables, non, ça c'est pour les gens, on les va pas brûler ça. Ah non. Pas pour rien que c'est là ça. Allez, je vais poser le sac à dos surtout. Voilà, du coup on s'est installé le petit campement là. Ils ont fait un petit mur avec des pierres pour couper un peu du vent. Et puis bah voilà, on est installé là tranquillou. J'ai réussi à trouver du bois, mais c'est une grosse galère. J'ai dû remonter super loin pour trouver un tout petit peu de bois, quoi. Peu dur, hein. Ça sent le gaz, non? Voilà, donc on se fait revenir quelques petits oignons sur le feu. Tranquille. Chérie, j'ai peur pour le couvercle en verre. Fais gaffe de pas te brûler, maintenant. Papa, la galère, mais moi, ça sera moi. Là, voilà, on se fait chacun notre petite gamelle. On va faire des petits... Oui, j'ai entendu mon jeu. Ouais, j'ai entendu mon jeu. On va se faire des petites galettes. Des oignons quand même dans le bouillon. Des oignons cuits. Ouais. Ouais, quelques oignons. Ouais. Une cuillère, quoi. Faire ça. Que je mette lesquelles ? Attends, Jojo, il te parle, chérie. Ah non, faut mettre là. De quoi, mon loup ? Allez, hop, on continue. Voilà, voilà, ça avance, la petite bouffe. Alors, l'eau, elle boue. Pour faire les petites pâtes. Les petites galettes sont en route. Les oignons, ça continue à cuire. Voilà la première galette de cuite, impeccable. C'est n'empêche bien pratique ces petites gamelles de... qu'on avait achetées à surplus militaire. Après on va relancer le feu parce qu'à l'ombre il fait pas chaud.
fait pas très très chaud. Allons. On a monté, on continue à monter le petit mur par vent là. Voilà, juste devant la mer. Allez, faut aller ramasser les gros cailloux. Ça fait mal. Ouais. Sympa cette petite crique en mode bushcraft. Dommage qu'elle n'ait pas le soleil. Hein. Mais bon, on a fait un petit mur coupe-vent. Et puis, ouais, bon, non, sinon faut venir quand il y a encore le soleil. Et puis voilà, ça cuit tranquillement, les petits oignons, sur le petit feu, les pâtes. Les galettes. Ça crépite, les petites galettes. Et après, on va remettre du bois pour avoir bien chaud. Mais on y est, j'ai galéré, j'ai trouvé du bois, mais c'est une galère. Voilà, voilà, bisous les potos. Alors, il y a quand même un truc qui est drôle, j'adore. Liam, il nous coupe un petit peu de bois. Enfin, il casse la chaise, là. Et ici, alors, c'est un milieu très aride. C'est que des petits buissons hyper secs et tout ça. Et puis là, je viens de voir toute petite plante bien grasse, toute verte, qui pousse ici. Et je pense parce qu'elle est, énormément à l'ombre, à cet endroit-là, à mon avis. Donc déjà, ça doit bien aider. Alors, bah, bien sûr, hein, l'été, elle ne sera plus là. Hein. Là, trop chaud, l'été. Ici, ça tourne à 45 degrés. Donc... voilà, on a bien mangé. Enfin, moi, j'ai pas encore mangé, mais tout le monde a bien mangé. Du coup, on met un petit peu en route le feu. Moi, j'ai mangé deux assiettes de pâtes. Ouais. On remet un petit peu en route le feu pour se réchauffer. Ça fait du bien. Bon, là, on passe au dessert, aux pommes caramélisées. Sympa. Et Lily, elle continue à faire des petites galettes. Bon, elle fait plus, ça s'amuse. Liam, il s'est fait une hache avec la chaise. Doucement, doucement, nous envoie pas du sable, hop, 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 hop. Et puis on voit que là-bas, ben là-bas il y a San Pedro, où il y a le soleil là-bas sur la montagne. Bah eux ils ont encore le soleil, hein. C'est mieux. Ah, une matraque. Ouais, bah fais gaffe, ça se décroche pas qu'on le prenne pas dans la tronche. Moi vos gamelles. Voilà les petites pommes au chocolat fondu. Mmh, ça, ça va être bon ça. Allez, ramenez vos auges. Ah, une galette dans celle-là. Et il y a des galettes qui sont reparties. Ma gamin là. Bon, est-ce que ça plaît aux enfants les pommes au chocolat? Ouais. C'est une valeur sûre. Hein. Bon, ben maintenant on va se faire des petits œufs de poule. Des poules de San Pedro, hein, de David. Merci. Voilà, voilà. Ouais, parce que finalement on avait plus faim, mais les œufs ça nous appelle, ça nous donne envie. Des bons œufs de poule comme ça. Miam, 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 miam. Non, on brûle pas les coquilles, on donne pour la nature, ma chérie. Là, 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 là. Pour la pachamama. Bah ouais, mais là c'est pour la pachamama, là c'est le feu. Ouais, mais bon, bref. Voilà. Ça va vite cuire, je crois. On met pas celui-là. Donc c'est quand même intéressant de se dire que dans des endroits encore comme celui-là, San Pedro, tout ça, par exemple, je pense que sur cette petite crique-là, vous pouvez vous installer une petite cabane. Personne ne viendra rien vous dire. C'est une sorte de zone un peu où, voilà, où la police vient pas souvent. Ou sinon, la police, ça vient juste voir ce qui se passe. Si tout se passe bien, ben, vous n'êtes pas dégagé. Bon, là, je sais même pas si la police, elle vient là, t'as vu. Ouais, dans la crique, là, c'est, bah, c'est un accès. Oui, mais après, alors donc, vous pouvez avoir un accès avec un petit bateau. Jusqu'à Las Negras, ici. Mais donc, ça, c'est quand même à réfléchir. Là, vous pouvez vivre de pas grand-chose. Juste un petit peu de course, bah, pour faire votre farine, pour vos galettes, vos machins, vos trucs. Ah, bien sûr, c'est une vie minimaliste, attention. Hein. Par contre, là, dans le trou, là, où on est, la crique où on est, il y a zéro réseau. Peut-être en allant à ras de l'eau, là-bas, il y a peut-être un peu de réseau. Parce qu'honnêtement, bah, le réseau, il faut avouer qu'on aime bien vivre quand même avec le modernisme. Mais si vous voulez vivre avec peu, eh ben, c'est possible dans des coins comme ça. Vous fabriquez vous-même votre petite cabane, vous faites voilà, vos poules, vos trucs, et vous pouvez vivre pour vraiment pas cher. Voilà, voilà, bonne réflexion là-dessus, il faut y penser à tout ça, avec un climat quand même exceptionnel. Allez, Lily, elle va mettre son œuf à cuire. Ah, ouvre-le au-dessus de la gamelle. Vas-y, vas-y, c'est pas grave si ça... Voilà. Ouais. Bon, on va la retirer. On la retirera quand ce sera plus facile. Et jette l'œuf dans la nature. On se fait disputer. Ouais, voilà. Bah oui, pour les petits animaux quand même.
Youhou! Ouais. Ma petite gamelle à moi chauffe, tranquillou. Allez hop, deuxième œuf, c'est parti. N'empêche que c'est bien pratique ces petites gamelles de l'armée là. On ne regrette pas de les avoir achetées. Franchement, ça nous sert un peu à tout. Beaucoup quand on a plein de monde dans le bus pour que tout le monde mange. Après, il faut faire la vaisselle, hein. Mais bon, c'est sympa. C'est sympa de partager aussi avec les poteaux, quoi. Ah bah bravo! Bravo! Bah nous on va finir le bois qui reste là, puis après on va rentrer tranquillou. Il faut laver bien sûr ça. Ouais. Oui, on lavera là-haut. Encore une fois, on peut laver à l'eau de mer aussi, le dégrossir. Pas mal. Papa, ouais. Si on lave pas et après, bon, ça va vite cramer, hein, ton œuf. Non, mais c'est bon, c'est bon. Moi je vais me faire un petit œuf que je vais rajouter à ma petite gamelle là et là je serai refait. Refait. Et voilà ma petite gamelle qui va être bientôt prête avec un petit œuf, des pâtes. Des oignons bien frits. Pour la communauté, tellement et nickel. Après, on va finir le bois et on rentre. On a beaucoup. On va passer une bonne petite après-midi, tranquille. Bon, les enfants, ils trouvent toujours des super trucs, hein, les gamins. Liam, il vient de trouver un cadavre de on sait pas quoi. Ah, bah, d'un bouquetin ou d'un truc comme ça. Et il y avait les pierres déjà comme ça ou c'est vous? Ouais, c'est que c'était peut-être une chèvre. Ah, vous auriez pas dû déterrer. Hein. Remets dedans mais et rentrer. Parce que si c'était un bouquetin, il n'y aurait pas eu des pierres comme ça. Hein. Bah oui. Ça se trouve, sauf si c'est un rituel. Ou c'est quelqu'un qui a voulu, ouais. Ça se trouve, c'est un bouquetin qui a voulu descendre et... Eh oui, mais Jojo, s'il y a des pierres autour, c'est que c'est quelqu'un qui a voulu, qui a mis des pierres. Il y a plein d'eau. Bon, bah nous, on a fini, notre petit feu, tout ça. On repart avant qu'il fasse trop frais. Et puis, bah, on va se retaper, du coup, la montée du truc, là. On laisse passer droit. Voilà, voilà. Allez, Lily, l'escaladeuse. Allez, on grimpe. Ouais, c'est facile. Allez, à Jojo. Mets bien tes pieds dans les petits trous comme des marches. Voilà. Voilà. Impeccable. Nickel. Et voilà toutes les petites grottes que je voulais vous filmer à l'aller. Oh là, le téléphone. Ah, vous voyez tous les trous là, bah, ça fait des petites grottes. Quoi? Hein? Tu fais du détecteur, ouais. Allez. Oh, il y a un moment, on va retrouver le soleil, ça va faire du bien. Allez, la petite grimpette, Lily. Donne ton bâton un moment là. Voilà, alors regarde où tu mets tes pieds. Chérie, tu restes derrière. Ouais, t'inquiète. Passe à droite là, c'est pas mieux, non? Attendez, chute. C'est bon, ça grimpe. Il y a personne derrière. Ça grimpe, t'inquiète. Ça va, il y a 2 mètres de haut. Bon, on était parti pour une petite soirée. On se remémore les vieilles vidéos quand on avait la ferme et puis tout ça. Voilà. Quand on élevait les cochons, les dindes, les canards. Moi, ça brûle l'eau glacée avec des glaçons à l'intérieur. Ah ouais, il y avait de l'eau glacée. Bah, ça, c'est l'eau pour le Ricard, mon père. Bah oui. Et puis, du coup, il y a de l'ambiance dehors. Donc, on va aller voir ce qui se passe dehors. Il y a un nouveau abonné qui est arrivé en plus. Sympa. Cool. Allez, hop, on va aller profiter de dehors. La musique. Voilà, donc encore une fois, c'est parti en mode saltimbanque. Il y a de la frite, il y a des poteaux, il y a de la musique. Wouh. Ah, Totof, il est à la frite. Le cuistot. Totof, il fait le cuistot. C'est bon, ça y va, mon père? Ça y va. Ah, impeccable. J'ai eu une petite panne de gaz. Mais... Ah, merde. Ouais. Vous avez retrouvé une bouteille? Bah, j'ai demandé à David, mais c'est ça... Ah ouais, bah après, ouais, il faut que j'en remplisse une, moi. Ouais. Voilà, il y a du monde au feu, il y a de la musique, c'est ça qui est bon. Ça improvise, ça crache du feu. Ça, c'est Dylan. Il y a de la fritouille avec Sergi. Ça va, Sergi? Ça va? Ouais. Allez, Dylan. Cracheur de feu. Dylan, le cracheur de feu, mon père.
Oh là, ça rigole pas là. Ah. Allez, c'est parti en intro. I'm not taking part in the rat race. I'm human, not part of the rat race. That a man made. There's always something good to be found on a bad day. Minutes soon turn into hours, hours into days, and days turn into years. Freedom appears after mastering fear. We're not defined by our jobs or careers. We're spinning through space on the brassica and give them cauliflower ears. Ça gère, frère, ça gère, frère. Et mon petit pote Seb. Leave our children, keep your schools. We don't need the products in the shopping malls, cause we've got the power, we've got les bonnes vibrations to self-organize. We don't need to be ruled. I said leave our children, keep your schools. We don't need the products in the shopping malls. United we stand, divided we fall. Il y a petit pastis, il est là, petit pastis. Il y a du monde autour du feu. Il y a Toineau avec son nouveau tatouage qui déchire sa mère. Yeah, ça claque. Alors là, on est parti plutôt sur les talents de la rue, Ouagamuffin, mon père. Like a butterfly, it fit around the sun across the earth. Ways are strange. What come you? Oh, yeah. Y'a du talent là-dedans. Are strange, strange. Yes. Days. Hey. What a game. I and I are making my scheme. Until the first song that's a liberated the fears. Et voilà moi ce que je kiffe. Et comme ça, des gens, personne ne se connaît. Et ça part en bonne vibration. Il y a de la musique, il y a du feu, il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut. C'est cool Raoul. Et il n'y a pas de chef. Tout ça s'organise tout seul. Aha. Et ça pour moi c'est la définition de l'anarchie. Eh oui. Allez voir sur internet. Even for the rage and separate yourself. Empty man's control by the blind people. But sirens about the firelight, which will lie on top of my side. Pass like a butterfly, a fit, flying around the desert, across the earthquakes. Strange, 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 strange days. Oh yeah. Are strange, 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 strange days. Oh, don't you know my friend? Yes. Thank you, my skin. I am a nightmare, my skin. Oh, yeah. Allez, maintenant c'est parti, on a Elliot au micro. Bon vélop. Chope le voile. Ah, ouais. Aitana represent. Aitana represent. Yeah. Mmm, good, good, very good. Mmm, bueno, bueno. J'ai juste un rix dédicacé à mon possible. Goodbye, goodbye. Yes. S'il faut travailler trop fier, et oui je préfère la facilité, considérant plutôt que le boulot m'amènera plus vite au bout du rouleau. Hey, si cela est comme ça, c'est que depuis trop longtemps des gens tournent le dos aux problèmes cruciaux, aux problèmes sociaux qui asphyxient la jeunesse, qui décide aux abords au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. Ne vous étonnez pas si quotidiennement l'expansion de la violence est telle que certains se sentent seulement concernés lorsque leurs proches se font assassiner. Ah, est-ce la liberté, égalité, fraternité? J'en ai bien peur.
monde demain, quoi qu'il advienne, nous appartient, la puissance est dans nos mains. Alors écoute ce putain de refrain. Oh, dites-vous pour ça. Anarchie, mon père. Hé hé hé, ma chouchou, tu connais ton gaulois relou, hein? Ah, allez les mecs, faites péter un petit peu là, le bon son, c'est bon ça. Allez les filles là, faites la danse du vent, je sais pas quoi là. Oh 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 oh. Allez Flo, montre ton nombril. Allez Flo, là, la danse du ventre, là, le nombril et tout là, oh. Merde. Oh la gueule. C'est pas. On veut de la DS. Oh, oh. Une fois que tu le mets dedans, c'est... Ouais, bah, tu m'étonnes, toi. Il n'y a que du litron là-dedans. Eh, hey, il n'y a qu'un alcoolique qui dit jamais qu'il est alcoolique. C'est ça. Il y a qu'un alcoolique qui dit qu'il a souvent soif. Moi, j'ai pas soif, je m'hydrate. C'est pareil. Ah, je te jure. Je l'ai enfin depuis le temps que je l'attends. Depuis le temps que je l'attends, ma petite Augusta. Alors attention, on a commencé le chantier de raid sur Liam. Alors ça va? Ça va, ça se passe super bien. Ça va, tu supportes, Titi? Ça va. Tu souffres pas trop? Franchement, je pense qu'il s'attendait à pire. Ça pique. Alors le but, en fait, c'est que Liam, il en a marre de se coiffer. C'est celui qui se coiffe le moins. Du coup, bah voilà, avec les dreads, il aura plus besoin de se coiffer. Et ça, c'est impeccable. Et là-bas, il y a un petit chantier coiffure. Oh non! Vous n'avez pas touché aux beaux cheveux de chouchou, quand même? Oh non! Bon, tant mieux. Si elle est encore plus belle, alors, on valide. Bon, on est parti pour charger en eau, on n'a plus d'eau. Tiens, du coup, on va aller. Billy, ton sac, il sert. Du coup, ouais, Billy, merci pour ton sac. Du coup, on va aller chercher, charger en eau à la source là-bas. Et franchement, il fait un soleil de plomb aujourd'hui, c'est un truc de malade. Ouais! Et franchement, c'est un de ces cagnards. Je pense à tous ceux qui sont en France, hein. J'ai envie de dire bonne chance, bon courage. Profitez bien, hein. Ah ouais. Ah nous, je crois qu'on va retirer encore une couche, on va aller se baigner, hein, ce sera mieux. Bonne raquette, toi, les gars. Ouais, bonne raquette, c'est un peu ça, ouais. Non, non, vas-y, vas-y. Parce que je connais pas. Que... Regardez les... Amène ça, vite un autre. Vite un autre, il est froid. Regardez les petits chiots qu'il a ramenés, David, trop excellent. Vas-y, vas-y. Voilà. Vas-y, oh là là, ils sont trop mignons. Et l'autre aussi, regarde, il est tout. Première fois qu'il sort dehors, doucement, il y a... Comment c'est, Yali? Yari, ouais. Doucement, doucement, doucement. Non mais alors mettez un peu de ça. Oui, oui, non mais... Attention, je joue à la maman. Il est sur attention à la maman, tu fais non, pas des choses. Tant que c'est là, il se passe pas. Ils sont trop mignons. Tant que c'est là, tu veux dire. Elle va faire leur toilette. Ah oui, non mais elle, alors elle, tu sais quoi, elle mange la merde, elle boit la couche. Ouais, bah ouais. Ouais, mais ouais, bah nous pareil, ouais. Tant qu'ils sont que au lait, c'est ce qu'ils font. Non, non, non. C'est trop mignon. Non, parce qu'elle est un peu... Si ça commence à bouger, on peut le sortir un peu. Ouais, vas-y, vas-y, sors-le. Ouais. Ah, Jojo, il a trouvé des... Jojo et... Yari, c'est ça? Ils ont trouvé des prénoms pour les petits. Alors, comment tu disais, Jojo? Polaire. C'est quel, Polaire? Polaire, c'est le tout blanc? Polaire, c'est...
tout blanc là-bas. Ouais. Attends. Lui, polaire. Le blanc c'est polaire. Le noir c'est Oreo et lui c'est Max. Voilà. Il y a déjà trois prénoms. La classe. Regardez, j'ai retrouvé Vaiana. C'est toi, Vaiana? Comment te llamo, Vaiana? Non? Hello! Hola! Hola, mais. Comment te llamo? Comment te llama? Me llamo Yari! Yari! On croit Vaiana? Elle est trop mignonne. Tu dis au revoir? Bye bye! Tu dis bye bye? Adios! Adios! Hasta luego! Donc là, du coup, on va charger en eau. Et là, je voulais juste vous préciser, la petite que vous venez de voir, là, Yari, c'est la seule enfant du village pour l'instant. De temps en temps, il y a un petit garçon de 9 ans qui est au bar, là, le fils du bar. Mais c'est le fils de David. Hein. Ouais. Et ils veulent monter une petite école pour faire venir du monde qui ont des enfants, quoi. Dans ce beau petit coin de paradis. Du coup, je crois qu'on va vivre ici, en fait. On va vivre là. Voilà, donc on fait notre petit plein d'eau tranquillou. Bon, ça va être lourd à porter au retour, mais bon. Au moins, on connaît le prix de l'eau, quoi. On sait ce que ça vaut. Hein. On va à la sueur du front, comme on dit. Et c'est de l'eau de source. Ils n'ont pas de réseau ici, il n'y a que de l'eau source. Mais c'est bizarre qu'il y ait autant de débit. Bah, ça doit arriver de là-haut, c'est pour ça. Ouais. On lui a demandé s'il y avait des genre surpressions, je sais pas quoi. Il a dit non, c'est que du. Il a dit qu'ils avaient fait des bassins. Par contre, il a dit qu'il y avait trois. Il y a des bassins peut-être pour créer du coup de la pression. Vas-y, je garde une petite preuve que pour une fois tu travailles. Ouais. Je voulais être sûre d'avoir assez d'eau pour me laver les cheveux, alors. Bon, ben toujours une petite soirée à Las Negras, San Pedro, mon père. Où les soirées se ressemblent, mais elles sont tellement bonnes, en fait, qu'on continue, on fait les mêmes. Yanush Mikela, la famille, des petits pancakes que Malicia est en train de faire, ça cuit, et puis dehors, on est en train de faire de la frite. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Pousse tes grosses fesses. Voilà, de la petite fritas, les balalas, avec les poteaux au coin du feu, comme d'habitude, ça ne change pas. Et de la petite fritas, les patatas. Attention. Pompez l'op. Et ça, c'est cool. Ça coûte pas cher et ça nourrit tout le monde. Il y en a encore plein à faire. Hein. Pas vous montrer ça, mais nickel. Ah ouais. Ouais, parfait. Ouais. Par contre, tu pourrais arrêter de me filmer, s'il te plaît. Ah ouais, s'il te plaît, hein, s'il te plaît. Loin d'être envie d'y croire, donc 4, 5, 6 ans plus tard, je tourne en rond et je parle seul. Parce que 1, 2 ou 3 plus tôt, j'ai pas trouvé le sommeil. Les souvenirs font pas toujours des sourires, font pas toujours des soupirs. Des cicatrices ou ce que la vie nous soutire. En musique, des sous-titres pour ce que j'ai dans la tête. Tous les jours, on découvre toujours des nouveaux talents ici. On prend la tête pas souvent dans le secteur. Parce que le temps n'est pas au rendez-vous. Et qu'un petit solitaire ne marche pas tout le temps. Garde à vous, prends garde au loup. Si tu vois un homme là, fais gaffe à toi. Mais parlons-nous, car si je tiens ton cœur, ben là fais gaffe à moi, ils disent que ça peut rien faire. Moi je touche mes rêves, moi mourir. J'aurais touché leurs lèvres, j'aurais touché ses lettres. Et qui peut le faire mieux que ça ou mieux que moi-même? Moi j'ai fait rien que ça, mais rien que ça, c'est mieux que moi-même. Et dis-moi chiche, mais qu'est-ce que tu vises? Est-ce que tu triches? Qu'est-ce que tu fais seul? Allez dis-moi, mais qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu dis? Je me prends la tête et reste assis dans le noir. Si je me lève tard et c'est normal que j'ai envie de boire un pédo ou un psy. J'hésite entre les deux, pas narcoleptique, je navigue entre les bœufs. J'hésite entre les bœufs, les gens j'évite comme les keufs à la sortie des teufs. Mais je tape sur un album que j'aurais pas sorti de mes seufs. Au débat, c'est comme ça, là c'est grâce. Je sais même pas qui c'est, mais bon, c'est des good vibes. Il y a du talent et c'est ça qui est bon. Il kiffe ce qu'il fait, il est à fond et c'est ça qui est bon. Dis-moi qui tombe tous, oui je les vois courir les youvois et les voix qui plongent tous. Ça distribue les coups de coude pour s'asseoir sur le trône du roi. Mais maman, tes histoires ne suffisent plus à m'endormir le soir. Ouh, faites du bruit. Hop là. Yes, bien joué mon père. Bon, ce matin, il y a un petit peu... Bon, pas une galère, mais bon, on surveille parce que... En fait, on s'est réveillé, il y avait... ça sentait la fumée. Et du coup, il y a un feu qui est en route derrière la montagne.
Et donc du coup on va aller voir ça, parce qu'il y a un hélico qui tourne, qui surveille. Il y a la Guarda qui est venue ce matin. Ouais bah oui, mais ça sent depuis ce matin. Il y a la Guarda qui est venue. Venez, ouais, on prend pas le sentier, non? Oh quoi que ce soit, non, vas-y, c'est pareil. Il y a la Guarda qui est venue ce matin pour voir et tout, donc bon, on espère qu'ils vont pas venir nous jeter. Apparemment sur ce spot là, à la Snégras, on se fait pas jeter. Alors bon, on va bien voir. Non mais là si c'est pour mieux. Une question de sécurité. Ouais, si c'est pour. Bon là il y a encore le temps. Ouais ouais ouais. Donc apparemment, attendez, je filme dans l'autre sens. Apparemment, nous on est juste derrière là et c'est juste derrière la colline, là apparemment on aperçoit déjà le feu. Alors bon. Alors comme il y a pas mal de migrants qui débarquent, on sait pas du tout d'où ça vient le feu, hein, comment il a été créé, de toute façon on peut pas savoir. Bon, donc en fait le feu il est carrément l'autre côté de San Pedro là-bas, là on voit de la fumée, il y en a aussi là, donc bah, nous on craint rien du tout. Hein. Puis apparemment ils se prennent pas la tête à l'éteindre, voilà, ça brûle de la broussaille et puis bon bah ça va s'arrêter quand ça voudra. Donc ça craint rien pour nous, c'est déjà pas mal. Et même le village San Pedro en bas, ça craint rien, c'est assez haut et tout, il n'y a pas de... Je pense qu'ils surveillent tout simplement et puis ils voient ce que ça devient. Allez, bisous, bisous. Bon, les hélicos, ils transportent des bacs d'eau. Si, c'est de l'eau, ça. Et... Bon, j'ai loupé, mais bah, du coup, ils font les allers-retours avec l'hélicoptère pour aller remplir en eau un gros bag. Et puis l'achat là-bas, on va attendre le tour d'après. Et voilà le retour. On va essayer de voir quand il lâche l'eau. Il lâche de haut, ouais. Il lâche. Ah ouais, on va attendre un peu. Alors. Ah mais là, il va derrière cette fois-ci. Ouais, il va pas lâcher là. Bon, en fait, il a lâché ici. Là, j'ai loupé. J'avais arrêté de filmer, je croyais qu'il allait lâcher derrière, mais non. Bon, on va attendre le tour d'après. Ouais, puis ils reviennent vite en plus. Là. Ouais. Il y a pas mal de vent, du coup, ça va pas aider pour éteindre le feu. Mais là-bas, à droite, là, c'est reparti de plus belle. Où est-ce qu'il a lâché le... Juste avant. Le ici, là. Avant, ouais. Il a lâché le sac juste avant et c'est reparti de plus belle le feu, alors. Il va lâcher à droite là. Là-bas où il y a les flammes, je sais pas si on voit au téléphone. Attention. Ah, ah bah non. Ouais. Ah, il retourne à gauche. Ah, ouais. Qui veut éteindre du côté village avant peut-être. Ouais. Ça y est, il lâche. Pas qu'il se bouffe la falaise. Il vise bien en tout cas. Hein. Ouais. On voit bien les petites flammes, les petites fumées qui éteignent quand même, mais bon, c'est un peu un travail de fourmi quoi. Bon, on se réveille tranquillement ce matin du 19 janvier, la veille de... Qu'est-ce qu'il y a demain ? Son anniversaire. Demain, il y a l'anniversaire des jumeaux, le 20 janvier. Jojo, il se réveille doucement, doucement, doucement... Et ben on se réveille toujours avec un maxi méga hyper grand soleil dehors à la Snégras sur le parking de la Cala San Pedro. Et franchement, jusqu'à maintenant, on a un temps de rêve. Alors ça va nous faire des petits pop-corn. Ma petite femme, pardon, si tu dis ça, je vais me faire engueuler. Mais ça, là, ah, si, commence. Ouais, il commence, mais... Ça commence. T'as peut-être pas mis assez d'huile. Je sais pas. Ça commence à péter. Des petites pop-corn pour le matin. Moi, je me suis fait un bon jus de citron pour commencer la journée comme il faut. Et puis après, ben, on va aller prendre le petit café chez les Carpe Diem qui nous ont rejoints. Ça y est, Dia a enfin osé monter Toto le camping-car ici parce qu'elle avait peur de monter là, cette côte-là. Bon, elle a dit qu'il y a des gens qui flagellaient un peu en montant, mais bon, elle est montée. Voilà, ils avaient trop envie de nous retrouver. Nous, ça fait plaisir aussi de la retrouver. On va pouvoir aller leur faire visiter la Cala San Pedro, les petites cabanes. Et ben voilà,
Encore une bonne journée qui s'annonce. Allez, bisous, bisous. C'est parti pour une nouvelle journée. Bon, on n'a plus d'eau dans Obélix, hein. Donc, eh ben, on va faire ça à l'ancienne. On va venir récupérer un peu d'eau. Là, c'est l'eau qui est la plus proche, qui est la plus, on va dire, propre pour faire la vaisselle. Et on va utiliser cette eau-là pour faire la vaisselle. Voilà. On va mettre tout ça à tremper déjà, parce que là, on a un de ces paquets de vaisselle de malade. Et puis, bah ouais, on va faire avec l'économie de l'eau. L'économie de l'eau pendant le nombre de jours qu'on reste ici, parce qu'on va pas sortir Obélix, vu que la route est bien galère. Bah on va faire comme ça, ça sera très bien. Ça va nous apprendre en plus à gérer l'eau. Et ça, c'est cool. Voilà, du coup, on a chargé en eau. Vous voyez que l'eau est pas... Hein, ça va, pour faire de la vaisselle, c'est nickel. Il y a un petit peu de truc au-dessus, mais ça, c'est pas un gros drame. Et voilà, on va pouvoir attaquer, faire tremper notre vaisselle. Et puis ce soir, ben, on l'attaquera comme il faut. Allez, c'est parti. Donc voilà, on a déjà fait un bon petit paquet de vaisselle. Oh, ben, ça fonctionne bien hein, avec notre eau de récup, là. Et là, j'avais fait un bac de rinçage qui commence à avoir un petit peu de savon dedans. Donc, c'est pas top. Donc, ce qu'on va faire pour finir, eh ben, on a vidé le bac où il y avait déjà du savon, pas mal de savon. Et on va réutiliser l'eau de rinçage pour laver. Et voilà, plein de petites astuces qui nous permettent de continuer à rester sur ce spot magnifique, même si on n'a pas un robinet d'eau. Minimaliste. Bon, après la corvée de vaisselle, on va pouvoir aller montrer la petite plage de San Pedro à Diadia et Steph, s'ils la connaissent pas encore. Et puis voilà, ça nous fait une bonne balade sous le soleil, encore une fois. Bon, encore une fois, hein, vous connaissez la Cala San Pedro maintenant, hein, depuis le temps. Quand je vais sur les cailloux. Non, je te filme pas toi, là. Et je peux pas m'empêcher de vous filmer quand même cette mer magnifique. Vraiment. Donc ça y est, le feu est fini. Hein, bah, tout le plateau a dû brûler là-haut. Du coup, bah, ça s'est éteint, quoi. Voilà, voilà. Ça va, Madia Dia? Ouais, mais... Oh, ça va. Bah, c'est ce qu'il faut. Quoi? Bon, nous revoilà au bar avec les petites crottes là. Il est dégoûté, c'est plus le bébé là. Quoi? Non, 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 non. On a déjà Iris, nous ça suffit, l'Arlos. Salut toi! Bon, aujourd'hui c'est un peu plus grisaille. Hein. Donc il y a un petit vent, donc il y a un peu moins de monde dehors. On traîne un peu plus dans les camions. Liam, ça y est, il a fini ses dreads vers ta tête. Voilà. Et puis, bah voilà, il est tranquille maintenant, il a plus besoin de se coiffer au moins. Ha ha! Il est content. Et là, aujourd'hui, c'est l'anniv des jumeaux, le 20 janvier. Du coup, ça va aller à fond au boulot. Comme d'habitude, elle nous fait des. Oh, bah, vas-y, il fait plus de bruit, Iris. Iris, elle est en train de faire la vaisselle. Donc, elle nous fait des. Bah, plein de choses, vous verrez ça ce soir. Comme d'habitude, Minouche, il casse la croûte. Impeccable. Allez, et puis il y a... Ben regardez, elle est là, elle est dehors. Il y a Joe, piraterie à roulette. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, allez voir sur Facebook, sur YouTube et tout ça. Elle nous a rejoint avec sa copine et son petit camion. Et ben là, elle est en train de nettoyer la vallée parce qu'il y a plein de merde partout. Et ben c'est une très bonne idée. Bravo Joe. Petit anniversaire des jumeaux en préparation. Du coup, on va essayer de tenir à tous dans le bus. Hein. Ah bah ben ouais. Ils vont avoir 7 ans là, les marmoules. Il y a petit pastis dans la cabine, les fumeurs. 18 ans. La cabine des fumeurs. Allez, on espère qu'il y a plein de monde qui va venir. Il faut les remuer dans les camping-cars là-bas. Il faut les bousculer. Et comme d'habitude, ça va préparer plein de petits trucs à manger, bien sympatoches. Des croque-monsieur, des pizzas, plein de trucs. Bon, les jujus sont impatients. Du coup, ils vont commencer à ouvrir. On est parti chercher Romain, Jojo. Ah, bah oui, Romain aussi. Bah ouais. Les deux Romains. Ah oui, les deux Romains. Il y a Jo, papa qui arrive. Là, il y a le squad des fumeurs, là. Salut. Bon, alors, donc, fumé au point mort. Donc, en fait, on peut voir qu'il n'y a que trois fumeurs dans la bande. Ça, c'est bien. Bruno, bien d'accord, fumé au point mort. Ah bah, t'inquiète, il y a le coup de qui est là. C'est ça. Allez, les premiers cadeaux des jumeaux pour leur anniversaire, leurs 7 ans. On va voir ce qu'ils vont avoir de beau. Ouais, mais attends, voyager en groupe comme ça, c'est trop facile. Ils ont plein de cadeaux du coup. Mais si, c'est pratique.
Il y a des migrants, il y a des migrants. J'aurais dû enlever mes pompes, non? Non. Non. Mais vas-y, là, tu passes, là. Bah attends, si Antoine n'y passe pas... Eh, hey, même moi, je l'ai fait, hein. Bon, on a battu le record dans Obélix, 28 personnes quand même. Hein? Mais tout le monde n'est pas assis, alors c'est... Ah, on va dire que c'est pas validé, quoi. 28 personnes assises, faudrait faire. Parce qu'il faut savoir que sur la carte grise, il y a 53 personnes assises. Il y en a dans la cabine. Voilà. Là, on a battu le record. On est combien là dans la cabine? Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes 5. 5. 5 plus 1, 2, 3, 4. 5, 6, je vais arrêter là, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, non, 21. 21. Non, on est pas que 21, pas possible, non. Non, mais tout à l'heure, on était 28. Bon, bah, du coup, c'est bien 28. 28 personnes dans Obélix. Et ça tient. Ah ah. Tu vois mon Jojo, c'est bien d'avoir une famille nomade parce qu'elle est très grande et du coup il y a plein de cadeaux. Ça s'arrête plus. Ah, je crois que c'est parti pour le gâteau d'anniversaire des jumeaux, hein. Ouais. Attention pour Jojo. Attends, Sabrina, elle est sûre. C'est bon, ça se tient. Agustina et Jessie et les enfants qui s'en vont. On les reverra dans quelques semaines sûrement, il y a des chances. Et puis nous on est en train de se prendre la tête avec les plaques de gaz de Mystère. Petit pastis, voilà. Fifounec est là. Mais oui. Comme le machin ça n'a pas tourné depuis je sais pas combien de piges, du coup ben, on a tout décrassé. Il y a carrément un bourdon qui avait fait son nid dans ce tube là quoi. En fait, là, c'est des gicleurs. Le gaz, il est aspiré par la chaleur. Et du coup, ça ressort par là, mais c'est par là que le gaz arrive. Donc, on va là, tout démonter, les gicleurs, on a tout vérifié. Et tout est OK. On va pouvoir tout remonter et voir si ça marche mieux qu'avant. Et boum! Et boum, tout explose. Allez, c'est reparti pour remonter tout ça. Bon, on continue le bricolage dans le camion de Petit Pastis. Bon, bah, ma chérie, on profite pour fignoler nos canapés, banquets. Hey, j'ai même pas filmé ça encore. On a transformé notre lit en petit salon un peu là. Alors Steph, il s'occupe de la partie élec et là maintenant après le gaz. Ah oui, donc j'ai pas filmé. Qui t'a filmé? Tiens. Une partie. Non mais j'ai pas filmé que le résultat. Non. Donc regardez. Donc comme quoi si jamais vous avez des problèmes avec ce genre de vieux camping gaz là, eh ben il faut tout simplement démonter tout ça, bien nettoyer jusqu'au fond, aspirer ou avec une soufflette cracher à fond là-dedans. Et puis bah voilà, ça marche. Nickel. Ouais, c'est mon boutique qui marche pas. Nickel. Voilà, ça marche. Du feu de Dieu. Donc ça, même le petit feu, il tient bien. Ouais, ouais. Et puis bon, bah, on fait pas la démo, mais le deuxième, bah, ça marche pareil. Donc c'était tout simplement bouché, quoi. Voilà. Donc il suffit de tout démonter là-dessous.
Attendez, je vais essayer de vous filmer ça. Voilà, il suffit de tout démonter là-dessous. Puis, en fait, ça fonctionne tout simplement. L'arrivée de gaz, je vous l'ai dit, hein, c'est les petits gicleurs qui sont là. Et l'air est aspiré par le gros tube qui est là. Et ça sort ici, hein, c'est vraiment tout simple. Donc là, ça marche perfection, à la perfection. Et là, on est en train de lui installer sa petite pompe sur Flo, qu'il a racheté à Camille. Et puis, bah pareil, on va voir donc du coup si tout ça fonctionne bien, parce que les systèmes de petite robinetterie de camping-car comme ça, c'est hyper fragile. Et donc voilà, on est en train d'installer. Alors pour l'instant, en provisoire, on a mis une petite une bouteille de huile comme ça. Mais après, on va acheter un bidon qui va bien. Et puis au moins, ce sera tout prêt, il n'y aura plus qu'à changer le bidon. Et Steph, il a presque fini. Donc comme ça, on va se brancher sur la batterie cellule de Fifi qui est juste là, en direct. Et plus tard, on mettra un petit coupe-circuit, là, on n'en a pas. Mais au début, bah, on débranchera les cosses s'il y a un problème sur la pompe. Mais normalement, la pompe, elle, de toute façon, elle se coupe toute seule. Voilà, les bisous. Ça bricole. T'es content, mon père? Ah, je suis heureux. Ah, nickel. Bah ouais. T'as de côté apéro en Corse? Ah bah, deux bouteilles chacun. Bah, peut-être pas. Bon, ça fait des frais, mais tant pis. Un apéro, allez, on te fait ça, un apéro. Bah ouais, t'inquiète. Salut tout le monde. Bon, pour nous, c'est le départ de San Pedro. San Pedro de Las Negras. On s'en va après 11 jours passés ici. On a bien profité de ce spot, je le recommande à tout le monde. Et cette nuit, on a une tempête de vent de malade, de fou furieux. J'ai dû dormir 2 heures. Aller ramasser et aider Marco avec sa tente en bas, c'était une catastrophe. Aller resserrer mes panneaux, les papillons pour pas que ça bouge. On n'a jamais eu autant de vent depuis qu'on est en voyage. Alors, vous voyez. Donc là on part, on va aller sur Almeria, faire journée un petit peu, on doit aller à Decat pour racheter une tente à Marco, bon plein de trucs, recharger en eau, tout le bordel. Et puis on rejoindra certains poteaux, reste là, 3-4 camions, bref comme d'habitude on se rejoint plus tard. Et pour nous c'est reparti après 11 jours, la route avec la descente et les demi-tours qui vont être bien sympas dans Las Negras. Si jamais je peux vous filmer ça, je vous filme ça. Allez bisous, à plus. Bye bye, Las Negras. T'as ramassé la merde. Voilà, donc on repart de ce spot magnifique. La descente va être encore bien sympatoche. Franchement, c'était super joli ici. On reviendra l'année prochaine, Inch'Allah. Allez, c'est parti pour le pilotage. Bon, on va essayer de vous filmer un petit peu la traversée de Las Negras, qui est assez serrée quand même. Est-ce qu'il va m'emmerder, lui, avec sa voiture? Bon, non, ça devrait le faire. Allez, je passe le téléphone à Sab. Mais si. Tu veux pas? Ah ben non, mais tu sais, t'avais pas mis. Oui, mais t'avais pas mis pause. Ah bah écoute. T'avais pas mis pause. Bon, bah. Les filles qui nous attendent là. Et qui nous filment aussi. On s'autofilme. Allez, on va essayer de passer un petit passage un peu difficult. Prends bien large. C'est passé une fois, ça passera bien deux fois. Il n'y a pas de raison. Ouais, mais tu fais comme tu sens quand tu vois qu'il y a un petit virage un peu serré, ça devrait se passer. On rase bien à droite, pour passer à gauche. Oh, ça passe large. Ah, les poubelles, ouais. On va s'arrêter pour les poubelles. Ah, c'est un peu chaud. Là, faut que je rase la clôture. Et bon, c'est passé. Prochaine étape, c'est le virage là-bas à droite qui est un peu serré. Mais bon, il n'y a pas de raison, ça devrait monter. Ce virage-là, je ne peux pas le prendre d'un coup. Du coup, je vais le monter en marche arrière. Puis je m'arrêterai là-haut. Que les copains comprennent derrière. Je pense. Mieux. Oula. Ouais, c'est normal. Tu veux que j'aille faire signe à Fifi ou quoi? Il a compris. Attends, là. Viens pour le trou.
pas. Ce qui me plaît, c'est que... Moi de mon côté c'est largement bon. Ouais. Ah oui, bah oui, je suis normal. Voilà, le virage est bon, il est passé. Alors c'est un petit peu là-haut. Et du coup les copains se retrouvent devant. Devant derrière. Il y a petit pastis, carpe diem, il y a les filles piraterie derrière. À partir de là, attends, ah, c'est Dylan, oh là là, dans le téléphone, je voyais carpe diem. Attends, à partir de là, je sais plus où je dois aller, moi. Attends, je fais pause. Les petits pastis. Alors... Alors maintenant il faut mettre. Bah c'est bon, tu peux couper. Il faut mettre Almeria. Parce que je sais pas si c'est par là là. Donc voilà, on peut voir le convoi dans le rétro. J'ai compté 10 véhicules je crois, ou 11, 10 ou 11 véhicules. Voilà voilà. Allez c'est parti. Bon voilà, on vient de trouver un point d'eau. Alors franchement, on a fait 7 km de chemin de terre. Je savais pas trop où il était le point d'eau, là on n'a pas géré. Honnêtement on n'a pas géré. Mais bon, ça arrive des fois, c'est pas grave. Sauf que j'ai plus trop de gasoil, donc faut éviter trop les détours. Mais bon, ça arrive, c'est pas grave. Donc voilà, il y a un petit point d'eau ici au milieu de nulle part. On sait pas ce qu'il fait là. Un robinet. Voilà, au milieu de nulle part. Il y a deux palmiers. Après, c'est que les montagnes. Ou des petites maisons en ruine là-bas. Donc voilà, c'est vraiment bizarre. Alors il paraît qu'il y a un super spot au bout de ce petit chemin, mais bon, on le verra pas, nous on va sur Almeria. Allez, bisous, bye bye. Bon, nous voilà dans Almeria. Alors ça c'est du super spot de rêve. Oh, ça c'est du spot que j'adore, en pleine ville. Bon, ça va, c'est pour la bonne cause, on a des courses à faire, pas mal de petits trucs pour Fifi, les bricoles, Noroto, tout ça, Décathlon pour comment il s'appelle, notre pote Marco. Donc bon, écoute, pour une ou deux nuits maxi, hein. J'ai aussi peut-être une vidéo à uploader, du coup il y a de la 4G plein pot. Donc voilà, hein. Allez, on va pas se plaindre. Allez, bisous, bisous. Bon, voilà notre super spot pourri de ce soir. Alors franchement, plus pourri. Ça va être dur à faire. Masca, masca. Allez, c'est pour une ou deux nuits maxi, hein. Histoire de faire tout l'administratif et puis après on repart dans la forêt ou dans la plage, dans les spots nature. Le bitume, ça nous manquait. Ouais. On sniffait des bonne. On va avoir des bonnes des bons bruits de sirènes toute la nuit. Oui. Au moins on a la lumière gratos. Ouais. Il fait pas froid. Il fait pas froid. Et puis qu'est-ce qu'il y a comme autre avantage? Il y a un kebab pas loin. Laverie pas loin. Un kebab. Bon, c'est bon, Toff, il paye son kebab. Et il y a surtout un gros carrefour. On va pouvoir recharger en pastis. Et ça. Ah, vous n'avez pas encore été? Non, non. Et je pense que sur tout le monde qu'on est là, on va vider le rayon. Bah, en même temps, on a petit pastis aussi. Et la dernière fois, vous aviez vidé le rayon. Ouais, c'est vrai. Ce qu'il y a. Allez, fais ta plus belle grimace du monde. C'est tout? C'est tout? Ben non. Ça, c'est la langue la plus longue, ça. Bon, ben, c'est pas parce qu'on a un petit parking à la con, hein, qu'on va pas mal vivre. Hein. Allez, hop, les petites pizzas. En famille. La salade. Qui c'est qui a fait la salade? Ça, c'est Diadia. Non? Ah, c'est ma femme. Ah, ben, tu vois, pour une fois. Les cacahuètes de Dédia, le petit pastis de Romain, non, du vrai Ricard, carrément du vrai Ricard. Oh, calme-toi, toi. Ça veut dire que t'es fille de chambre. Non, toi, tu t'appelles petit pastis, tu t'appelles pas petit Ricard. Ah ben c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Ah là 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 là. Et celle-là vient de France, du coup. Ah bah ouais. C'est pour ça qu'elle a un bon goût. Bon, c'est un bon jeune.
Hein? Un bon jeune, vu ce que tu viens de dire. Ouais, ouais. Tu sais, au bout de 20 ans, on est rodé, on connaît les astuces, on sait comment arriver à ses fins, t'inquiète. Pas de soucis. C'est encore pire, là. Ouais. Un mois la diète. De toute façon, c'est privé de sexe, et bah tu vas dehors. Et tu cours. Privé de sexe, et bah tu vas dehors et tu cours. Quand on se déplace avec Obélix. Ah, bah oui, hein. Oh, t'inquiète, je l'ai pas dans le camtar. Oh, lui, il veut pile sur ma femme. Non, mais alors lui, il ramasse les miettes, lui. Non, mais oh. Les miettes. Après, j'insiste pour dire que je suis sûr que c'est bien. Il n'y a pas le même son. C'est lui le berceau. Hein. Non, c'est pas moi. Non, parce que tout à l'heure, quand vous jouez, moi je faisais que des niveaux de notes. Ah, ouais, c'est en appui sur le moment. Non, regarde, refaites ce que vous avez avec les deux tons d'en haut. Là. Non, juste les deux tiens que tu faisais tout de suite là. Voilà. Il ne faut pas la même note. Par contre, ta note la plus basse après celle-là, c'est laquelle? Putain, voilà. C'est pas celle-là? Et après la plus basse, après, en dessous celle-là? Ah. Il sonne un peu gamelle. Il sonne un peu gamelle.